Bonjour, je m'appelle Hélène et je suis la DRH d'Ipsos en France. Travailler chez Ipsos, c'est à mon sens faire un certain nombre de choix qui sont des choix forts. Le premier, c'est le choix de l'indépendance, parce que Ipsos est un groupe indépendant. Ça veut dire qu'on préside nous-mêmes à nos propres destinées et ça, c'est important. Le deuxième, c'est le choix de l'international. Ipsos est présent dans 89 pays et la majorité du chiffre d'affaires est fait à l'extérieur de France. Donc venir chez Ipsos, c'est aussi avoir la possibilité de partir à l'étranger, comme l'ont fait un certain nombre de nos collaborateurs qui sont partis au UK, à Singapour, au Japon, etc. Et ça permet aussi à nous d'accueillir des collaborateurs venus des autres pays d'Ipsos, d'Inde, du Brésil, de Singapour, et d'avoir ainsi une diversité, on va dire, de nationalités et de cultures sur le lieu de travail. Et le troisième point, et d'ailleurs le plus important à mes yeux, c'est que c'est un groupe qui a une vraie vision de son métier des études, ancré surtout dans la réflexion intellectuelle et dans la réflexion scientifique, ce qui nous donne une vraie crédibilité pour répondre aux besoins de nos clients. Pour travailler chez Ipsos, je pense qu'il faut faire preuve de trois, on va dire, qualités principales. La première, c'est la curiosité. Vous allez passer votre temps à interroger des gens, à essayer de comprendre leur comportement, à essayer d'expliquer leur mode de consommation. Donc il faut vraiment être curieux. Curieux sur les autres, que sur le monde qui nous entoure, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est l'esprit de collaboration. Chez Ipsos, on travaille en équipe en permanence, que ce soit des équipes, on va dire, d'expertise, que ce soit des équipes sur un client, mais vous allez être en permanence en travaillant en équipe, donc il faut aimer travailler en interaction avec les autres. Et enfin, le troisième point, c'est l'agilité intellectuelle, la vivacité d'esprit, et je dirais même la débrouillardise.